لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شاخ زلاف، بيان سيما شاين، مون بروف اديسونس. Dans cette septième partie de notre lesson arithmétique, on va corriger les exercices de la page 24. Et si vous n'êtes pas encore abonné, Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Voici la page 24. La page 24 contient des exercices qui nécessitent un grand effort. Il Donc, euh, j'espère que vous allez faire un effort

Donc, regardez, euh, on a E égale, donc on va montrer, donc ça nous va mais on a E donc on va simplifier cette expression. Regardez, euh, je peux utiliser ici les, euh, bien sûr, on va utiliser la parité, donc il y a une zaujia, ou un pair, bien sûr, des expressions qu'on va déterminer maintenant. Et euh, les, les règles des puissances. Donc regardez ici. Donc E, je peux écrire la question 1. Je peux écrire E égale E, yusawi, moins 1 puissance. Je vais écrire N plus 2N plus 2. C'est très important. Donc à 3N, il y a N plus 2N plus moins 1. À la puissance. Regardez ici ce que je vais faire encore. 4n, bien sûr, euh, j'écris ça après euh, après, euh, après avoir fait un effort. 4n plus 2. Regardez, plus 2 plus n. Pourquoi j'ai fait ça Regardez. Donc, Heda devait utiliser la parité de ces nombres. La parité de ces donc C'est quoi? le nombre ou H do. Ils sont pairs. Vous savez pourquoi? A. Donc, c'est ça ce que je vais utiliser. Donc, regardez. Donc je peux a ah, plus 4, na plus 4. Donc regardez, je vais écrire moins 1 puissance n fois. Donc là, je vais utiliser la propriété a n plus m. C'est A puissance N fois A puissance M. Le produit de deux bases de même exposant, c'est on garde. Euh, non, de même base. Donc, euh, donc, je garde la base et j'additionne euh, les exposants. Quand je mets le Houssein. je le Quand je mets le Quand je mets Donc, regardez. Moins 1. Puissance 2N plus 2. Plus, moins 1 à la puissance. Regardez. 4n au, au carré. Plus 4n. Plus 2. Voilà. fois moins 1 à la puissance n. Head n. Voilà. Ce n-là. Plus 4. Vous allez constater. Il est pair. Celui-là et les pères vous savez quoi? pourquoi parce que je peux écrire deux fois K, n de K', donc à hein, deux, ce sont deux nombres pères Donc euh, voilà, donc euh, ou bien je vais je vais montrer ça, c'est pas grave. On que c'est moins 1 puissance n fois quoi, et a dit que moins 1 puissance 2 facteur de n plus 1, donc vous allez constater dans la paire plus moins 1 puissance. 2 fois 2n au carré plus 2n plus 1. Voilà. fois moins 1 puissance n. Plus 4. Donc, 1 d'Arcade, a d'Arcade, 2 fois K, a 2 K'. Donc, ce sont pairs Donc, je peux écrire... Moins 1 à la puissance d'un nombre per cartina 1, ça c'est un résultat de l'année dernière, l'avant-dernière même, euh, hein, euh, en première année du collège même. Donc, il euh, faut bien maîtriser ça, ce genre de calcul. 1 à euh, 1, voilà, moins 1 à la puissance un nombre percé 1 fois moins 1, c'est euh, moins 1, voilà, moins 1 à la puissance n plus 4. Et moins 1 puissance n plus moins 1 puissance n, ça va donner 2 moins 1, 2 fois moins 1 puissance n. Plus 4. Tout simplement. La deuxième question, qu qu on va déduire, et qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire les valeurs de E, le rième ta e, selon la parité de n. Est-ce que n est pair ou là impair. Euh, bien sûr il dépend e ram tel voilà e euh, hein voilà e n donc moins 1 puissance n euh, et il est égal à 1 lorsque n est paire et moins 1 puissance n est égal à moins 1 lorsque n est impair. Donc on va dire si n si n si il a qu'un si n paire donc si n paire moins 1 puissance n, ça va donner 1 donc, donc, dans ce cas-là, je peux écrire 2 égale, E égale 2 fois 1 plus 4. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire 2 plus 4, pardon, 2 plus 4 égale à 6. Si, maintenant, je vais dire, Adin Goul, si, maintenant, si n est impair, il a qu'un n impair. Moins 1 puissance n, ça va donner moins 1. Donc, e, ça va être quoi Ça va être 2 fois moins 1. Donc, en a, a moins 1 puissance. n a tous les moins 1. Donc, 2 fois moins 1, plus 4. C'est-à-dire, moins 2, plus 4. Moins 2, plus 4, égale à 2. Tout simplement. Donc, en a, a et voilà, e égale à 6 lorsque n est paire. e égale à 2 lorsque n est impair. On passe au suivant. Donc, euh, l'exercice suivant, ça... Donc, euh, j'espère toujours que vous allez faire un effort. Donc, avant de voir la solution. Donc, regardez soit ABC des entiers naturels, de sorte que, euh, ou ou es que A plus B plus C est pair. Donc, de la somme A plus B est pair. Montrez que voilà notre question, la première question c'est quoi c'est de montrer que a au carré plus b au carré plus c au carré plus abc est pair regardez ce qu'on va utiliser on va utiliser bien sûr la parité de a, a plus b plus c qu'est-ce qu'on va dire on va dire a plus b plus c pair il est pair euh, par, euh, par hypothèse il donc le carré d'un nombre pair est pair parce qu'on a vu que euh, dans un produit, pour le juda euh, si on a euh, l'un des facteurs, l'un facteurs, les gens, à à à même, à à si il est pair, le produit est pair. Ça fait Donc, A plus B au carré, égal. Donc, le produit. On a déjà vu ça en troisième année du collège. Regardez, pour développer ça, euh, c'est pas la peine d'écrire, mais si on a écrit A plus B plus C, le tout fois, c'est le, tout, le tout. Normalement, c'est correct. A fois A, A fois B, A fois C, B fois A, B fois B, etc. Non. Donc, il faut, il, donc il suffit d'utiliser. Donc, Moumkin, euh c'est un euh, uniquement la, 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 plutôt la, la méthode A plus B. Regardez. Je vais considérer A voilà. plus B ou A X ou A Y. Donc, euh, l'identité remarquable numéro 3. Donc, je peux écrire A plus B développement au carré. Je vais considérer adepte, X ou Y. Euh, voilà, A plus B au carré plus 2 fois A plus B fois C. Je peux écrire 2 fois C fois A plus B, c'est pareil. Plus C au carré. A plus B, le tout au carré, c'est A au carré plus 2AB. Voilà, plus B au carré. Plus 2AC plus 2BC. Plus c au carré. Donc vous allez constater que je peux écrire aussi a au carré plus b au carré plus c au carré plus deux facteurs de ab plus ac plus bc. Aïe! Donc head au carré ouais. Well. Donc a il est pair. Yac? Euh, je peux dire. Donc celui-là head au carré est pair. Donc, puisque a plus b plus c est paire, donc son carré doit être paire. Paire. Donc, je peux écrire. Donc. Je peux écrire a au carré. Donc, a au carré. Parce que a de la somme des b, a de c'est le développement de l'a. Donc, a au carré plus b au carré plus c au carré plus 2 facteurs de a b plus... AC plus BC. Donc le carré Donc je peux écrire deux cas. Parce qu'on a dit qu'il est pair. Donc il est pair. Mais moi je cherche à montrer que la somme de A au carré plus B au carré plus ou A juste, ils sont pairs. La somme de les deux. Regardez ce que je vais faire. Donc je peux écrire donc je vais isoler Adinez Lady. Je vais faire isoler a A au carré plus b au carré, plus c au carré, ça va être égal à quoi Ça va être égal à 2k moins 2 facteurs de ab plus ac plus bc. C'est ça. Donc je vais, addition, je vais ajouter à a plus b plus c Lena, ou n'a. Donc je vais écrire a au carré plus P au carré, plus C au carré, plus A, plus P, plus P. C'est pour avoir hein, l'expression. Donc, voilà l'expression qu'on veut. Donc, je vais additionner. Donc, je mets donc, deux cas. qui je mets à deux facteurs, de k Moins AP, plus AC, plus BC. Le tout plus a plus b plus p. Donc qu'est-ce que vous allez constater, sur nos quatre que deux k et deux k prime. Donc héda deux fois un entier. Donc je peux écrire deux k primes plus a plus b plus c. C'est quoi? On peut héda, on deux p par exemple, deux fois p, parce que il est pair. Donc deux fois Hélène a un nombre pair plus un nombre pair, ça va donner un nombre pair. Donc euh, deux nombres qui ont la même parité, leur somme c'est toujours pair. Un pair, un pair, c'est pair Donc deux K plus p égale à 2k secondes. Donc c'est pair. On dit de dire que a au carré plus b au carré plus c au carré pair. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Puisque qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que A au carré plus B au carré plus c au carré plus a plus B plus C. C'est quoi C'est paire, c'est-à-dire il s'écrit. il hey, y a des liens qui n'en a 2K secondes. Donc qu'est-ce que je vais faire Regardez. Je vais écrire maintenant a au carré plus b au carré plus c au carré. Égal à quoi Égale à 2K secondes moins celui-là. Moins A euh, plus B plus C avec une parenthèse. Faites attention là, sinon moins A moins B moins C. Lorsque j'ajoute une parenthèse, je vais changer les signes, bien sûr. Donc, a, est paire. Donc, paire moins paire. Ça va donner encore un nombre qui est paire. Tout simplement.